Comme ça. Bon, alors on est avec Bourbouin, une formation qu'on connaît très très bien. Bien évidemment, il en manque quelques-uns des membres, mais on est avec Jacques et Pierre. Ça va bien, les boys? Très bien, toi. Ah oui, ça va bien, merci. Vous avez quand même eu une superbe année, hein? Ça tire à sa fin. Aussi bien de regarder un peu l'année qui vient de passer. Comment l'avez-vous pris cette dernière année avec l'apparition de l'album, tout ce que vous avez fait, le livre, les vidéoclips? Je pense qu'en regardant tout ça, on dirait que pour moi, je dirais que ça a vraiment été une année fantastique, un album fantastique, comme Charles dirait, une campagne fantastique. Ça a vraiment été. L'album a été bien reçu. On a eu des gros hits avec Jet Lag from Paradise. Ça continue encore. On a le livre qui est sorti qui était super bien reçu. Plein d'affaires. Alors, c'est une année formidable pour nous autres en 2011-2012. Ça va faire un beau petit break après ça. Complète en 2013 ou... 3 ans. Du côté pour les fans, ça va prendre un petit peu de temps parce que même si on commence à travailler sur l'album en l'été qui s'en vient, ça prend du temps avant que ça sorte. Alors, mais pour nous, ça va prendre quelques mois de genre relaxation parce que d'une manière, on part beaucoup, le temps, tout en partie, ça fait du bien, donc chez nous, on va en venir un peu. This Song Save My Life, un nouveau vidéoclip d'ailleurs qu'on vient de présenter à Top Music tout dernièrement. Puis c'est intéressant parce que c'est un vidéoclip pour vos fans, une pièce qui a été écrite par vos fans en quelque sorte, pour vos fans, ainsi de suite. Parlons-en de cette pièce-là. Qui a eu cette idée-là, premièrement? Parce qu'on le sait, vous touchez vos fans, vous touchez à vos fans, vous allez les... Ça dérape. On a un impact sur eux émotionnel. Voilà. C'est ce que j'allais chercher là, c'est ça, exactement. C'est un beau cadeau que vous lui avez offert. Ouais, c'est comme moi, T'es tellement fascinant, je t'écoute. Non, regarde, pour nous autres, c'est une chanson qui était importante à faire parce que depuis le tout début, on a tellement beaucoup de fans qui viennent nous parler, qui nous disent comment des chansons comme Perfect, Welcome to My Life, Save You sont importantes pour eux, ont eu un gros impact pour eux dans leur vie. Donc, on voulait écrire là-dessus. Ils sont forts, The Wanted, hein? Sacrement! Donc c'était une chanson, c'était tout ça qu'on voulait parler dans la chanson, puis ici, parler du... On parle de quelque chose de tellement sérieux, hein, ça. Fait que ce qu'on voulait faire, c'est une chanson sur l'impact de la musique, soit à quel point la musique peut être importante. Donc on est allé sur Twitter, on a demandé à nos fans de nous parler un peu de l'impact que ça peut avoir sur eux. Puis toutes les lignes de chansons viennent des fans, donc c'est vraiment une chanson pour les fans, par les fans, puis on va même demander à des fans dans tout le monde de nous envoyer leur propre footage, leur propre vidéo, propres images, c'est ça, leur propre contenu vidéo. Et on va tout mettre ça ensemble pour faire une pièce qui montre un petit peu comment, pour nous, tu sais, on est quand même partout dans le monde, on a tellement de fans, c'est incroyable, donc on veut montrer ça aux gens, puis montrer que c'est, dans le fond, c'est vraiment eux qui font de nous ce qu'on est aujourd'hui. Parlons du sort des fêtes à la toute fin. Qu'est-ce que vous voulez à Noël? Vous du genre à faire des demandes de cadeaux? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans le temps des fêtes? N'importe quoi qui a rapport avec le golf. En ce moment, c'est de l'obsession, tu sais. Ah ouais? Non. Les autres gars, on n'a pas rapport là-dedans. Là. C'est juste nous autres. Ah ouais, les gants, les balles, les tees, n'importe quoi. On arrive chez nous, puis tu sais, c'est le temps par les pas d'amusant, puis relaxant, puis le golf, c'est rentre là-dedans. Sauf le surf. Ok. Alors, toi, Pierre, t'as mieux donné que de recevoir des cadeaux, non? Oui, mon ratio de donner à recevoir est toujours plus élevé. Ouais, ok. Moi, j'aime mieux recevoir, je l'avoue, tu sais. On a même écrit une chanson là-dessus, My Christmas List, qui parlait, mais j'ai écrit, puis c'est un petit peu. On était un petit peu, comment je peux dire, des brats dans ce temps-là, là, on veut tout ça, là, mais maintenant, avec des années, moi aussi j'aime mieux donner maintenant, ouais. Mais j'aime encore ça les cadeaux.
justement, on va aller voir votre vidéoclip de Songs Save My Life. Voulez-vous le présenter? Alors voici The Songs Save My Life de Simple Plan.